Bonjour et bienvenue à tous sur Test des vidéos. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va très très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire une nouvelle vidéo qui s'intitule Comment envoyer une application par WhatsApp. Top, c'est parti pour mon intro. Et voilà, on se retrouve donc pour envoyer une application par WhatsApp. Tu cherches une application par exemple, tu prends une application, je pense, 3DS. Je maintiens et tu cliques sur partager. Une fois que tu as cliqué sur partager, tu choisis sur quoi tu veux envoyer. Gmail, YouTube, Business, Facebook. Je clique sur WhatsApp. Voilà. Après, je choisis un contact comme ça, par exemple. Je prends Richement. Je l'envoie. Et là, le jeu il est en train de partir. Voilà. Donc je précise, si tu veux envoyer un jeu, faudrait pas que le jeu dépasse au faudrait pas que le jeu dépasse 100 mots. Je prends un exemple, par exemple, je vais prendre peut-être un frag, ce jeu à frag 2020. Je maintiens, je clique sur partager, je clique sur WhatsApp, je mets sur Richemont, j'envoie. Ça charge et bien dit que ça ne doit pas dépasser 100 mots. Ça charge. Alors on dit le fichier multimédia sélectionné dépasse la limite autorisée de 100 mots. Il est possible de l'envoyer. Donc vous voyez. Donc si le fichier dépasse 100 mots, ben, vous ne pouvez pas l'envoyer. Donc, c'est pour ça que vous devez avoir Zender. Voilà, si tu ne sais pas comment télécharger Zender, tu regardes mes vidéos précédentes là. Tu cliques sur le i qui va s'afficher. Une fois que tu as fait ça, tu regardes par exemple Frag. Voilà, c'est 101 mots. Donc, ça ne va pas par exemple. Oui, c'est 19,3, je peux envoyer. Oui, comme ça, c'est 31. Crazy Kick, c'est 31,23 mots, je peux envoyer. Donc, c'est en fonction de ça que tu peux envoyer. S'il dépasse 100, je peux pas envoyer. Et voilà. Donc, c'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et aussi de laisser un commentaire d'encouragement. Et si tu n'es pas abonné à ma chaîne Instagram, c'est le moment où tu es abonné. Le nom, c'est juste en bas dans la description.